On est ready. Salut, est-ce que tu vas faire un live aujourd'hui? Bon, déjà, je suis en train de filmer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais très souvent des sondages. Donc des sondages sur des vêtements, enfin des choses que je trouve sur Pinterest. Et je sais que vous adorez ça. Donc voilà, si t'aimes bien ça, si t'aimes les sondages, tu peux t'abonner à mon Instagram. Je t'invite. Bon, cette vidéo, c'est pas une pub pour mon Instagram. Aujourd'hui, j'ai réalisé un sondage qui va influencer mon style sur Movistar Planet. Donc grâce à vos réponses, je vais créer un look de A à Z maquillage. Tout. Et merci à la personne qui m'a donné l'idée, je sais plus qui c'est malheureusement, je suis une mauvaise youtubeuse. Donc pour ça, je vais déjà aller à la boutique et on va aller faire ce petit look. Donc les choses ne vont pas forcément aller ensemble, on verra bien. Eh, mais j'ai même pas vu, il y a un nouveau thème, attendez, je l'essaye. La classe à Dallas. Bon, je viens littéralement de déshabiller ma Movistar pour qu'on commence enfin ce look. Et on va commencer avec la coiffure. Donc vous avez choisi la deuxième de très très peu. Mais ce sera la deuxième coiffure, donc c'est celle avec des petites couettes. En fait, j'ai une idée de coiffure que je vois dans ma tête qui est sur MSP et qui a des couettes comme ça. Eh, mais ça, ça ressemble pas mal, hein. Alors attendez, je vais essayer de chercher celle que j'ai dans ma tête. Mais sinon, celle-là, elle est pas mal. Ah, elle, ça va marcher de ouf, hein. Il y a juste les barrettes en plus, mais je trouve que ça ressemble quand même pas mal. Faut juste que je change la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je valide. C'est vraiment la même coiffure. C'est pixel. Ensuite, pour le haut, vous avez voté pour le premier. Donc, c'est un sweat. Donc, bien sûr, il n'y aura pas exactement le même. Mais je vais essayer de trouver un sweat. Et je vais essayer de trouver le t-shirt qu'on peut mettre dessous éventuellement. Mais je sais pas si je vais le trouver. J'ai envie de mettre celui-là. Je vous jure, c'est mon sweat préféré. Je le veux de toutes les couleurs. Au niveau du vert, celui-là, il me paraît bien. Et comment je pourrais trouver le haut qui est dessous? Ah, il y a ça. Ah, MSP, non. Ouais, ça marche un peu, on va dire. Ensuite, pour le pantalon, vous avez voté pour le quatrième. Donc, c'est un jean à trous. Je vois lequel je peux acheter, mais je l'ai déjà en plein de fois. Mais c'est pas grave, je vais quand même l'acheter. Je vois vraiment celui-là. Au niveau du bleu, j'hésite entre lui et lui. Parce que celui-là, il va bien avec ma tenue, mais c'est plus foncé quand même. Au pire, je peux éventuellement... Hop. Eh, ça me paraît bien, là. C'est bien, j'aime bien. On s'arrête là. Ensuite, pour les chaussures, vous avez voté pour la troisième paire, donc c'est des Air Jordan, non? Bon, des Nike bleu, bleu pastel, qui sont très belles. Vas-y, j'ai trouvé celle-là, on va dire que ça passe. Alors, du bleu pastel très clair, quoi. Celui-là, ouais, c'est pas mal. Bah, ça me paraît bien, c'est pas trop mal. Au niveau des accessoires, vous avez voté pour le premier sac. Et donc, faudrait que je trouve un sac bandoulière. Alors, c'est un peu ça, mais je sais pas, je mettrais un truc un peu plus qui passe en bandoulière, quoi, qui soit pas sur une seule épaule. Quelque chose comme ça. Je trouve que ça, c'est pas mal. Blanc et or. Voilà, c'est parfait. Donc pour la tenue, j'ai terminé. Donc je vais l'acheter. Elle est pas excessivement chère. Un petit peu en diamant quand même. J'ai oublié d'acheter les bijoux. Je suis nulle. Donc pour les bijoux, vous avez voté pour le troisième. Donc ce serait un petit collier ou plusieurs colliers en or. C'est joli. En même temps, j'ai mis que des choses belles, hein. C'est un peu comme ça, mais ça me paraît très gros quand même, hein. Ça c'est bien ça. Ok, ça je valide, c'est trop beau. Maintenant, on va passer au maquillage. Donc vous avez voté pour le troisième make-up. C'est vrai qu'il est vraiment beau. Au niveau de la couleur des yeux, je vais pas changer. Je vais changer surtout le maquillage. Ça me paraît pas trop mal. J'ai pas trop pu mettre de vrai eyeliner. Je suis en train de chercher. Ensuite, pour la bouche, vous avez voté pour le quatrième. Donc c'est une bouche vraiment très neutre. À peu près comme celle que j'ai là. Donc je vais voir si on peut changer. Voilà, c'est exactement comme ça. Je vais acheter une petite animation et on va voir le rendu. Oh, j'adore, cette animation est trop belle. Ok, est-ce que vous êtes prêts à voir le rendu? Vous allez voir, c'est trop beau. 3, 2, 1, tada! Et vraiment, c'est trop beau. Je pensais pas que le look serait aussi beau. Parce que des fois, quand on fait des looks qui représentent un peu la réalité, ça rend pas pareil sur MSP et c'est pas toujours top que là, mais le look est vraiment trop beau, je kiffe. Et j'adore les couleurs aussi, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, le concept surtout. J'en ferai peut-être d'autres, on sait pas. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!